1, 2, 1, 2, oui, ça fonctionne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là pour cette séquence communication. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette séquence, on va aborder plein de choses, vous allez le voir. Elle est au nom de Place de la Communication, qui est un réseau de communicants dans les Hauts-de-France. Et nous sommes très heureux avec Frédéric de donner la parole à nos invités. Cette séquence, elle va se dérouler en deux temps. D'abord, il va y avoir des keynotes pendant une heure. Et puis, l'heure d'après, il va y avoir une table ronde où on va élargir le sujet de l'IA et de la communication. Frédéric, tu m'épaules pour cette présentation. Qui es-tu ? Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Frédéric Varambourg et je travaille à la CCI Grand Lille sur la thématique du digital. Donc, j'espère que vous allez bien. Merci d'être venus nombreux. Et toi, Coraline, qui es-tu ? Que fais-tu ? Alors on se dit que c'était quand même plus sympa de se présenter. Je m'appelle Coraline Patrice. Je travaille pour une agence audio qui s'appelle Pipo et Lola, pour lesquelles nous produisons des podcasts et des radios d'entreprise. Et nos studios sont dans la métropole lilloise. Alors, sans plus attendre, parce que vous êtes là pour les écouter, je vais appeler le premier speaker, Arnaud Weber, qui va nous parler de l'intelligence artificielle et ce qu'elle tue la créativité organique. Merci Arnaud. Allô, bonjour. Ça, c'est pas ma présentation. Si vous voulez, je peux vous la faire à l'oral, mais sans les slides. Elle arrive. Super. C'est là. Ok, génial. Donc. Alors, l'utilisation de l'IA signe-t-elle la fin de la créativité organique ? Alors à ça, j'ai déjà une réponse qui va clore cette conférence tout de suite et je vais pouvoir m'en aller. La créativité est, par essence, résiliente. C'est ce qui définit la créativité. Voilà. Bon, plus sérieusement, on va commencer par se poser deux questions fondamentales, c'est-à-dire la question de savoir si on est pour ou contre l'IA, c'est pas ça, c'est plutôt de choisir comment on va dealer avec l'IA, parce qu'elle est déjà là, en fait, et depuis très très longtemps. Hein ? La deuxième, c'est la créativité. C'est quoi, fondamentalement ? Alors, je m'appelle Arnaud Weber, je suis directeur de création, je viens de Paris, mais je suis parti en Suisse, dans les montagnes, pour fonder une petite agence de design, brand design événementiel, qui s'appelle Le Village Design GmbH. Voilà. Qu'est-ce que je fais dans mon métier de directeur de création ? Je fais de la veille créative, bien entendu. J'en fais beaucoup. Et c'est comme ça qu'il y a à peu près deux ans et demi, j'ai commencé à m'intéresser, parce que j'ai découvert un peu par hasard, des profils sur Instagram, dont Cosmonuti, Ali Jardine, etc., qui sont plutôt dans un monde d'animation un peu psychédélique, très très créative. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait tout un monde incroyable qui était en train de naître. Et je me suis dit, je veux faire ça. Voilà, je veux faire ça, absolument. Donc à partir de là, en fait, ça a été un sacré parcours du combattant. Parce qu'il y a deux ans, en fait, personne connaissait rien à rien à l'IA. On ne savait pas où trouver les ressources. En tapant sur Google, on ne trouvait rien. Donc ça a été vraiment un grand moment de solitude. Mais c'est aussi ça qui stimule la créativité. Donc c'est super intéressant quand on arrive et qu'on doit complètement défricher un terrain vierge, on ne sait pas où on va et c'est vraiment l'aventure, donc c'est génial. Donc dans mes recherches, en fait, je me suis aperçu qu'au final, il y avait ce qu'on voyait tous les jours sur l'IA, sur LinkedIn, dans les journaux, enfin les médias un peu mainstream, et que grosso modo, en fait, c'était juste la partie émergée de l'iceberg, mais que derrière ça, en fait, il y a tout un monde grouillant, énorme et qui existe effectivement depuis très très longtemps. Je prends deux trois exemples très très rapidement. 2008, voilà, première expo au Palais de Tokyo. C'est une installation sonore qui est faite à partir d'un réseau de neurones, une IA, et qui balance de la musique aléatoire. Donc super intéressant. 2008 quand même. Hein. Ensuite, 2016. Projet super intéressant de J. Walter Thompson, c'est une agence internationale qui analyse toute l'œuvre de Rembrandt avec une IA, en retire des paramètres, hein, de style, de construction, etc., et crée un nouveau tableau.
The New Rembrandt, donc c'est le nouveau Rembrandt, voilà, tableau créé avec l'IA. Fin des années 60, je remonte là pour le coup, on peut dire que c'est la première IA génératrice, entre guillemets, d'images, qui fait plutôt du dessin au trait, et qui est coloriée par la suite donc, par Harold Cohen, son créateur. Voilà. Donc... Tu m'as demandé de te tenir au courant, ça fait 5 minutes. Ouais. Là, ça marche plus. Ok. À partir de là, en fait, je m'aperçois que c'est tout un monde super créatif qui est en train de voir le jour. Là, ça marche plus, ça pète ? Non. Et grosso modo, c'est un peu la jungle, en fait, parce que en faisant mes recherches, je découvre un monde, grosso modo, c'est du chinois. C'est-à-dire que je tombe sur des termes, je dois rentrer des logiciels, c'est carrément du codage. Donc c'est à la fois passionnant, mais en même temps, c'est super flippant parce que c'est quelque chose que je maîtrise absolument pas. Voilà. Je tombe sur des mots que je dois m'approprier, un nouveau langage, comme de forum, Stable Diffusion, maintenant on connaît, hein, mais ConfiUI, les modèles LoRa, il y en a plein. Hein, donc c'est vraiment une jungle. Et je continue, hein, du coup, parce que j'ai 20 minutes. donc vraiment, vraiment du chinois. Je dois rentrer dans le terminal de mon ordinateur, alors que moi, je suis graphiste. Hein, je dessine des Mickey à l'origine. Donc c'est plutôt vraiment très, très, très mouvant, très instable, et ça m'intéresse beaucoup. Je tombe aussi sur le côté obscur de l'IA. Je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si Unstable Diffusion, ça vous dit quelque chose. Ah bah c'est super, voilà. De forum, Stable Diffusion, Automatic 11-11, c'est une interface pour dialoguer avec de forum sur l'ordinateur, par exemple. Voilà, donc c'est la jungle. Non, ça marche pas. C'est toujours la jungle. C'est très stimulant. En fait, toute cette ignorance, ce foisonnement, bah voilà, ça marche. Du chinois. Du chinois, voilà, Yaya, parce que je viens de Suisse. Et voilà, donc Unstable Diffusion, j'en ai parlé il y a 2 secondes. Et on va y arriver. Bon, bref, ma première impression sur l'IA, il y a 2 ans, c'est que c'est un monde extrêmement créatif, ultra productif et extrêmement stimulant. Donc je me mets à tester. Et là, j'ai pas de limite. C'est-à-dire que grosso modo, j'ai l'impression que ma créativité est complètement libérée parce que je peux réaliser instantanément tout ce que j'ai en tête. Concrètement, le matin, je prends ma douche, je me dis, tiens, je revisite 8 ans d'histoire de l'art, je me dis, je vais prendre tel courant artistique avec des nudibranches, par exemple, c'est des limaces de mer multicolores, je vais les mélanger et ça va faire des résultats complètement délirants. Donc, aventure, création, c'est vraiment un truc de dingue. Un truc de dingue, création, oui, certainement. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est quand même une sacrée révolution. Je m'amuse pendant 5 minutes et au bout d'un moment, je me dis, tiens, c'est quand même un peu inquiétant, en fait. C'est même flippant parce que, grosso modo, là, tout ce que je produis en 5 minutes. J'ai l'impression de pouvoir faire n'importe quoi, certes. Mais est-ce que ça ne va pas remplacer mon métier, en fait, grosso modo? Alors, je me pose cette question. Ensuite, je me pose une autre question. En fait, je commence à voir apparaître sur des médias, peu importe, les réseaux sociaux, des contenus, honnêtement, que je trouve affreux. Hein, vraiment pas terrible. Fait à la va-vite. Il y a l'espèce de wow effect, ce que c'est fait avec l'IA, mais en fait, ça ne me satisfait pas du tout. Donc, tout ça me fait un peu peur. Alors voilà, ça, c'est un peu des exemples de prompts. Que j'ai pu faire, mélanger plein de styles, voilà. Et grosso modo, donc cette IA qui est rapide, qui est puissante, qui est polyvalente, je me dis bah ouais, ça y est, elle va me remplacer. C'est le grand remplacement. Dans ma carrière de créatif, je commence à être plutôt plus près de la fin que du début. Et là, ça, vraiment, ouais, donc c'est pas très bon. Donc j'ai vraiment ce réflexe là de peur. J'ai un peu peur. Et on sait que c'est dans un film qui est sorti il n'y a pas très, très, très longtemps, la peur tue l'esprit.
Elle empêche de réfléchir. Elle annihile les facultés cognitives. Donc, il faut adresser sa peur et puis comprendre quelles sont les raisons, d'où ça vient, etc. Et grosso modo, comme dit Lovecraft, un grand philosophe, non, je déconne, la première peur de l'humanité, c'est la peur de l'inconnu, en fait. Donc, il faut connaître. Il faut connaître ce qui nous fait peur. Donc, c'est aussi très, très stimulant, en fait. Si vous avez peur de quelque chose, bah, allez-y. Hein? Donc, voilà. Et puis, alors, du coup, je me dis, bah, grosso modo, 1450 de mémoire, invention de l'imprimerie. La révolution industrielle qui tue l'industrie textile. Alors, oui, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de remplacements. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Les années 80, avec la naissance de la PAO, et là, tous les graphistes qui se disent bah, « c'est foutu ». Et puis surtout, on voit des choses, encore une fois, qui ne sont pas convaincantes, parce que c'est les débuts. Hein ? Donc au début, bah, on teste, on fait ce qu'on peut, et ce n'est pas forcément très joli ce qu'on voit. Donc voilà, il y a vraiment tout ce mélange. Et je me dis, moi, en fait, tout est remplacé par tout et n'importe quoi, tout le temps. Et c'est aussi un axiome de base de l'univers. Hein. La seule constante, grosso modo, bah, c'est le changement. Mais par rapport à ça, bah, on se dit, bah oui, donc ça veut dire qu'il va falloir que je change de ma zone de, sorte de ma zone de confort. Je prends exemple sur le Japon médiéval, 1615, on va dire. Tokugawa, shogun à l'époque, ferme les frontières. Hein, grosso modo, les Portugais, les Espagnols, les Hollandais, tout le monde dehors, et puis on s'enferme pendant 200 ans, et on se réveille 200 ans après, enfin 1868, en regardant le monde qui a été bouleversé. Alors c'est un choix, effectivement. On peut choisir de rejeter ou d'intégrer la nouveauté. Mais en l'occurrence, l'ADN d'un créatif, c'est d'intégrer la nouveauté, en fait. Hein, grosso modo. Voilà. Donc, moi, j'aime bien séparer la notion de métier de celle de, d'ADN, en fait, de ce qui nous meut. Hein. On peut être scénographe, directeur artistique, graphiste, photographe, illustrateur, etc. Est-ce qu'on est pour autant un créatif, un aventurier, un explorateur, hein. C'est un mindset. Hein. D'accord. Moi, j'ai des créatifs qui sont venus me voir en me disant « L'IA, je vois vraiment pas l'intérêt, ça m'intéresse pas. » T'as essayé ? Non, je n'ai même pas essayé. Ok. Toi, je te veux pas dans mon équipe. Merci, au revoir. Voilà. Alors, le truc, en fait, quand même, moi, j'ai beaucoup flippé, hein, vraiment, mais ça m'a énormément stimulé. Je me suis dit « Mais comment est-ce qu'on peut intégrer l'IA ?» Je me pose encore la question, souvent. On me demande un truc, je dis bah, « Je sais pas trop, je vais voir. » Je reviens vers vous, Azap. Photographe, intégrer, mélanger du shooting et des éléments fictifs faits avec l'IA, c'est super intéressant. Ça va être une nouvelle forme de photographie. Les illustrateurs, je pense aux BDistes. On peut automatiser des tâches, créer des décors, etc., des styles cohérents. En fait, ça va nous libérer du temps en termes de productivité pour se consacrer à des choses sur lesquelles on est vraiment compétent. Le scénario, la direction artistique, hein, donc la création pure, en fait, ça soulève la création, ça la met en avant. Voilà. Les directeurs artistiques, ils peuvent faire du brainstorming, du mood board, présenter des maquettes, c'est très parlant pour les clients, et ils font réaliser ensuite par des illustrateurs, des photographes, des motion designers, etc. etc. Voilà, j'ai plein d'exemples comme ça. Hein. Voilà. Bref, j'avais un petit exemple. Je vais quand même essayer de zapper un coup. Ah, ça marche un petit peu. Voilà, révolution, tout ça. En fait, récemment, j'ai fait une identité pour une petite ONG ougandaise que j'aide. Hein, je fais ça gratuitement. Je me suis dit, bah, OK, comment je vais faire ? J'ai un logo à faire. J'ai le branding, papeterie, flyer, etc. J'ai un site internet. Il faut que je trouve les photos. Hein, et je veux le faire en 3 jours, grosso modo. Quoi. Ben, en fait, c'est très simple. Certaines parties du logo, je les ai faites avec Midjourney. Effectivement, des motifs, des choses qui m'intéressaient. J'ai tout construit, j'ai fait mon logo avec de la vraie typo que je suis allé chercher sur Adobe Font pour faire la base du logo. J'ai assemblé ça dans Illustrator. J'ai fait mon site sur Squarespace. Donc, grosso modo, j'ai toute une batterie d'outils. Ah, ben, ça marche comme ça.
Il faut que je reste comme ça, alors. Polyvalence, etc. Donc, on va faire la presse très, très vite. En fait, toute une batterie d'outils. Et je vais aller au slide qui nous intéresse, peut-être. Parce que, grosso modo, j'ai mis par ordre d'importance quel logiciel j'avais utilisé le plus et le moins. Et on voit, en fait, que, grosso modo, l'IA... Alors, c'est ce que je trouve intéressant. Je ne l'ai pas utilisée à 100%. Elle s'intègre juste dans mon processus créatif global. Hein. Il peut être dans la partie réflexion, mais aussi dans la partie production. Hein. Les images, je suis allé les chercher sur Unsplash. Le site, je l'ai fait avec, avec Squarespace. Donc voilà, tout ça, c'est un peu mélangé et c'est ça qui est super intéressant. Voilà. Donc, la conclusion de tout ça, grosso modo, c'est l'IA, elle est un peu inerte au final dans tout ça. Elle est en même temps très puissante, mais c'est une puissance qu'il faut animer créativement. C'est nous qui sommes encore à la tête, aux commandes, sur l'itération des idées, la création des concepts, etc. Et on vient intégrer ce process, cette machine naturellement dans, nos process. Voilà. Ok. Je reviens un petit peu sur l'IA Art. Il doit rester à peu près 3 ou 4 minutes. Exactement, c'est parfait. C'est ça, ouais. Ok. L'IA Art, en fait, c'est un truc qui est en train de naître, grosso modo. On avait 7 arts avant, maintenant on en a 9. On peut imaginer qu'effectivement, on va avoir une dixième forme d'art très bientôt, parce que je reviens à la partie immergée de l'iceberg, qui est absolument énorme. Et les artistes, ils n'ont pas attendu 2024 et demi pour intégrer l'IA. C'est depuis les années 60, quoi, grosso modo. Voilà. Par exemple, sur l'accueil de l'IA, vous vous rappelez la naissance de l'impressionnisme. L'impressionnisme, à l'époque, les classiques, ils regardent ça, ils disent « Non, c'est pas de la peinture. » Voilà. La photo... Hein, qui remplace aussi les portraitistes et tout ça. Donc voilà, tout ça avance de manière tout à fait autonome et organique. Hein. Alors ce qu'il y a en plus avec l'IA quand même, c'est que c'est super interactif. C'est-à-dire j'ai quasiment l'impression de travailler avec un membre supplémentaire de mon équipe parce que j'utilise ChatGPT, j'utilise Midjourney, Stable Diffusion, Firefly dans la suite Adobe, Runway pour les vidéos, etc., etc., etc. Donc voilà, une petite personne, on va dire. Mais il faut que j'apprenne à dialoguer avec cette personne. Ça s'apprend et on s'adapte. Parce que l'IA évolue très, très vite, ça fait peur. Mais nous aussi, on évolue très, très vite, ça fait peur. Mais parce qu'on est des créatifs aussi. Voilà. Un individu créatif, il est ouvert au changement, à l'exploration, à la nouveauté. Il intègre automatiquement, consciemment, inconsciemment, tout ce qui l'entoure. Moi, je vous regarde, vous êtes une source d'inspiration. Parce que vous êtes tous habillés différemment, vous avez tous des têtes différentes. Et ça m'intéresse, je suis un créatif. Mes yeux sont ouverts sur le monde. Voilà. Donc, c'est un principe. Je reviens sur mon premier slide, ou ma première slide. La créativité est par essence... résiliente. Hein, et je vais y revenir à la fin. Alors tout ça, ça n'existait pas il y a encore un an et demi. Hein. La seule différence entre vous qui êtes de ce côté-là et moi qui suis de ce côté-là, c'est quasiment en fait juste un an. Hein. Enfin, j'exagère un petit peu. C'est aussi une volonté, un choix conscient, en pleine conscience, de rester créatif tout le temps. Tous les jours, le matin quand je me lève, etc. Voilà. Ça, c'est vraiment la différence. Et quand je parle d'ADN... c'est vraiment ça, c'est-à-dire j'ai un métier ou plusieurs métiers, mais j'ai surtout cet ADN qui est ma colonne vertébrale de créatif et qui insuffle cette énergie créative dans mon ou mes métiers. Voilà, le choix en pleine conscience de sortir de ma zone de confort. Et maintenant, ma zone de confort, c'est l'inconfort de l'inconsistance de l'univers créatif, de la page blanche tous les jours, de etc., etc. Voilà. En fait, ça surbooste ma créativité. Parce que c'est un super challenge, en fait. Et on a à notre disposition plein d'outils qui sont absolument complètement étonnants, qui changent toutes les deux semaines. Moi, je suis bluffé toutes les deux semaines, franchement. Chaque version de Midjourney, par exemple, je me dis, oh là là, waouh, j'adore les anciennes parce que je ne peux plus faire avec les nouvelles ce que je faisais avant, mais en même temps, je peux faire des nouvelles choses. Donc, grosso modo, je n'ai pas un Midjourney, j'ai autant de Midjourney qu'il y a de versions de Midjourney. Donc ça, c'est super. Voilà. En même temps, tout ce que je vous dis là, dans 2 ans, ce talk, si je me le repasse ou si vous le regardez, il sera mais totalement obsolète.
il sera obsolète parce que ça aura tellement évolué et surtout parce qu'on aura intégré tout ça en fait de manière très très naturelle avec notre capacité, nous humains, de nous adapter et d'évoluer. Ok, voilà. L'imprimerie, c'était une révolution. La télé, c'était une révolution. Le web, etc. Maintenant, on se pose pas la question. Hein, c'est partout. Nos enfants, ceux qui naissent maintenant, ils se poseront pas la question de y a pas y a. Ah ouais, en fait, c'était là dès le début, hein, grosso modo. Voilà. Et on va continuer avec ça. Je dis pas que ça va pas faire de casse au passage, mais ça en fait toujours. Je n'émettrai pas d'avis par rapport à ça. Ça, c'est un autre débat. Bon. Dans tout ça, la créativité organique, elle fait son chemin. L'IA elle-même est le fruit de la créativité humaine. Hein ? Voilà. Bon, bref, imaginez, j'avais un super visuel pour ça, mais tant pis. Vous êtes au bord de la mer, je vais vous le mimer. Vous êtes au bord de la mer et il y a des vagues gigantesques là qui arrivent et tout. Enfin, c'est juste incroyable. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je prends ma planche de surf et j'y vais, là. Parce que c'est là où ça se passe, en fait, hein, la créa. Voilà. Là, je fais des sofas ou des concepts culinaires. J'ai Astronomie, c'est pour un hôtel en Suisse. On est en train de faire un menu stellaire. Voilà, donc on s'amuse beaucoup. C'est facile d'aller chercher des nouvelles séries, voilà, du mobilier urbain, etc. Bref. Bon, après mon histoire de vague... Je vais finir parce que je crois que là, ça y est, on y est. Et puis en plus, ça tombe bien, c'est ma dernière page. Juste un truc. L'IA, l'innovation, la nouveauté, la techno et tout, c'est super. Mais en fait, on ne fait qu'ajouter des choses. On est augmenté. Moi, le week-end, je ne parle pas d'IA, je ne pense pas à IA, etc. Je me barre dans la montagne, je vais grimper, je vais voler. Il y en a qui savent, hein. Je vais faire un feu, manger par terre. Enfin, je me reconnecte en fait à ma nature humaine, ma culture, mon essence. Hein. On reste ça, on ne perd rien, on s'augmente. Hein. Voilà. Et en fait, les deux cohabitent très très bien. J'ai mon équilibre, je trouve mon équilibre. Et le fait en fait de se reconnecter comme ça, et après je termine, en fait, ça me permet de revenir et d'être encore plus créatif. Voilà. La créativité, donc, elle est par essence... résiliente. Elle fait partie de notre ADN d'humain. Okay ? Elle se nourrit du terreau dans lequel elle pousse, grosso modo. Donc si ce terreau change et s'enrichit, la créativité continue à faire son chemin, à pousser et à s'enrichir. Voilà. C'est un principe fondamental, universel. L'IA fait évoluer les données, mais pas l'équation elle-même au final, à mon avis. Merci. Merci Arnaud, merci beaucoup. Merci.